Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Je voulais faire cette petite parenthèse dans cette vidéo de présentation de ma nouvelle guitare, la Solar A2.6 Car, C-A-R pour Candy Apple Red. C'est sa couleur, c'est un rouge métallisé glossy. La Solar me fait de l'œil depuis un petit moment. Je suis allé sur le site et je suis tombé sur ce modèle. Je l'ai commandé, le mercredi d'après je l'ai reçu. Bon, voilà, c'est une guitare qui est quand même, est quand même magnifique. Je m'attendais plus à un rouge vernis. C'est pas grave, voilà, il y a d'autres points qui m'ont surpris, notamment le fait que dans cette gamme de prix, à 699€, environ 700€, si on arrondit, hein, eh ben, je m'attendais à ce qu'il y ait une housse de livrer avec, ben non, il n'y a pas. Le réglage de l'action dans l'espace, dans les choux, hein, le truc qui était là, vraiment trop haut, alors je te dis, pour ce type de guitare, je sais pas pourquoi ça a été réglé comme ça, mais bon, après, je vous invite à regarder ma vidéo tuto pour régler sa guitare. Ça m'a pris 10 minutes à reprendre, c'est pas méchant. En termes de finition, le manche est plutôt très agréable. Bon, ça fait deux jours que je l'ai et pour l'instant, je trouve qu'il est très agréable. Les frettes me font pas mal, tout va bien. L'accès aux aigus est magnifique. Quelques endroits où il manque un petit peu de peinture. C'est pas méchant, mais bon, la guitare ne coûte que 700€. La jonction manche-corps, bon, vous le voyez pas, mais moi je le sens là. On sent que ça n'a pas été poncé correctement. Là aussi, je chipote pour une guitare à ce tarif. Le petit chouchou, là, le petit étouffe-corps, là. Hein, ben ça c'est nécessaire pour les têtes inversées, hein. Là c'est quasi obligatoire, voilà. Le reste, bon ben voilà, les potards ont l'air plutôt corrects, voilà, c'est le cas aussi. Les micros, ben écoutez, toutes les musiques de la vidéo sont faites avec cette guitare, déjà vous pouvez vous faire une idée du son que ça fait, voilà, c'était vraiment pour vous donner ce genre de petite info. Déçu, oui et non. Moi j'adore toutes mes guitares, j'adore les guitares, donc voilà, je suis assez bon client. Hein. Faut que je m'y habitue un petit peu à la couleur. C'est juste ça. Mais sinon, je vais la garder, je vais faire des vidéos, je vais faire des riffs et je vais essayer de l'apprivoiser. Et puis bon, ben, je vous ferai peut-être une autre review, voir si finalement ben, j'ai kiffé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé, à commenter. Hein. Vous savez, et puis à vous abonner si c'est pas déjà fait, si vous aimez la guitare et tout ce qui tourne autour de la guitare. Et on se retrouve pour de nouvelles aventures très bientôt. Allez, salut les amis, ciao.